Bienvenue sur Tom Mentor. Encore une démo, le Steam Fest évidemment qui finit le 17 juin. On a plein de démos à faire, le chat est chaud, le beat est bon. Et aujourd'hui, un jeu où, comme tu peux le voir, on va jouer à une Atari 2600. On est un enfant, le soir, dans sa chambre, on est censé dormir, mais on a envie de jouer à la console. Mais apparemment, ce qui se passe dans notre console se passerait aussi peut-être pour de vrai. Ça a l'air de faire flipper. On est parti. La musique a l'air assez folle. Oh! Ok, let's go! Let's go, baby. La musique a l'air assez bien. La musique a l'air assez bien. Another case of a missing child in the town of Saint. Ok, il y a encore un enfant qui a disparu. Oh, les bras. Limbo System. Okay. Ok. Ok, je joue un petit cube. Alors, on est sur Atari. Hein. Je joue un petit cube. Ok. Alors, est-ce que je... Ok, je peux pas... Je voulais voir si je pouvais regarder autour de moi, en fait. Mais non, je peux pas. Ok. Donc là, je peux pas y accéder. Ok, ça ouvre les portes. Ok. Ok, donc lui, il essaye de me bouffer le fion. Où est mon anneau? Ok, faut qu'on trouve son anneau, donc ça doit être de l'autre côté, du coup. Ok. Et quelqu'un, il va arriver sur le stream, il va se dire, quoi? Ok, donc là, ils m'ont tué. Attends, mais comment je fais là? Ah, mais non, faut que je descende. Ok, eux ils me tuent. Je sais pas, il avait un truc blanc. Game over. Ok, ça commence bien. Ok, tac, ça a l'air de sauvegarder. Le jeu a l'air bien. Ok, là je peux pas passer. Je suis obligé de passer sur les pics, non? Oh, ok! Ah, il faut pousser la clé? Ah non, ok, je la tiens. J'ai eu peur. Alors, c'est pas la clé pour ici. Ça doit être la clé pour là, du coup. Ah putain, je suis con, je lui fonce dessus, moi. C'est pas la clé pour là. Attends, mais il y avait une autre... Ah, attendez, il faut peut-être que j'appuie sur un bouton pour utiliser la clé. C'est du style... Oh, il l'a lâché! Ok, faut que j'appuie sur entrée, je pense. Non. I don't comprend. Qui a joué à l'Atari ici? Peut-être comme ça. Ah, ok, il faut la pousser dessus. C'est quoi ça? Ah, ça les tue? Ah, c'est pour les taper. Ok, c'est pour les taper. Ok, c'est assez bien foutu. Donc je vais pouvoir aller récupérer l'autre clé du coup. Ok, il leur faut 3 coups. Est-ce que je peux récupérer le truc maintenant? Ah oui, ok, nice. Ok, je vais me le foutre en dessous de moi. Non! C'est assez technique, hein. Moi, j'aime bien le chat. Ok, on va se le mettre du coup sur la droite parce qu'il faut qu'on aille récupérer la clé ici. Ok, t'es dead. Eh, je peux pas prendre... Ouais, bah ouais, je peux pas prendre les deux en même temps. Ok, la clé, c'était où qu'il fallait une clé, chat? C'était où il y avait de labyrinthe, hein. Oh, il est rapide, le salaud. Ok. Oh, c'est quoi? C'est un dragon? Wow! Merde.
Je dois faire quoi? Ah, je dois aller chercher la dague! Ok. Oh, je suis à fond dans le jeu, hein. Ok. Oui, oui, c'est un jeu d'horreur, calmez-vous. Soyez un peu indulgents, mesdames et messieurs. Oh là là, vous êtes vraiment... Ça y est, c'est pas un walking simulator et qu'il n'y a pas de jumpscare. Donnez une chance au produit, là. Le jeu essaie de tenter des choses. Ok, je vais essayer de le buter, lui. Ah, je sais pas si je peux le buter, en vrai. Ok. Oh, il m'a défoncé! Oh, l'écran! L'écran qui s'est pété! Ok. Ok, il y a des couleurs. On a une veilleuse. On a des fléchettes. On a des stickers. Ok. Oh, ça a l'air... Ça a l'air d'être spécial, hein. Oh, on a nos notes. Ok, en fonction des jeux, j'imagine. Ok. Ok, j'ai éteint le jeu. J'essaie de comprendre, hein. Ok, je vais prendre la cartouche, attendez. On a un key yes. Ok. Attendez, c'est... on a un magazine, là. Utiliser. Oh, il y avait un truc à l'intérieur. Donc le jeu auquel on joue, c'est Tormentor. Est-ce qu'on a des cheat codes? Ok, faut qu'on trouve des reliques. Ok, pratiquer 12 sports. Donc là, on a tous les... Ok. Collecter 4 reliques mystiques, affronter le sorcier maléfique. Oh, ça rappelle la bonne époque quand même. Attends, mais il a fait tomber une note là. Là. Les experts à propos des jeux vidéo risquent au potentiel pour la jeunesse. Non mais ça, évidemment, selon les experts Thomas Jackson, les consoles de jeux domestiques sont liées aux récentes disparitions d'enfants à travers le pays. Allez, bien sûr. Ok. La démonologie, c'était marqué. Hein. Ok, j'ai soufflé dans la cartouche. Bon, bah écoute, on remet le jeu. Appuyez sur contrôle pour continuer à jouer. Ok. Trouvez les 4 reliques cachées et dirigez-vous vers le nord. Ok. King of the North. Attends, what? Ok. Ok. Donc en fait, en appuyant sur contrôle, je fais des allers-retours comme ça. Ok. Tu prends des notes. Appuyez sur quoi, c'était marqué Tab. Oh, et il dessine la carte en temps réel. Il nous dessine la carte en temps réel, chat. Ok. Oh, ça a l'air insane. Le jeu a l'air vraiment bien. Ouais, ouais, j'ai touché l'horloge. Ça a fait sonner mon horloge. Donc l'horloge, c'est la sauvegarde. On a une porte ici. Une porte jaune ici. Oh, la musique est cool. Une porte rouge ici. Ok, je visite, tu vois. Donc là, du coup, il prend des notes. Ok, on est toujours là. Ok, je peux pas aller dans la porte ici. Je peux descendre. Ok, il disait d'aller au nord, hein, si je dis pas de bêtises. On va aller en haut. Et donc là, il l'a dessiné. Ah, tu vois, donc il dessine. Stylé.
Donc là, c'est fermé avec les deux interrupteurs. Ok. On a un monstre. Est-ce qu'il le dessine? Ah, ça met pas en pause, hein. Ok, il dessine pas les détails. Ok. Ok, c'est quoi cet endroit là? Il y a une sorte de vase de... On a une souris, une note de musique. Ah, ça doit être la porte. Ok, donc il faut faire les quatre temples. C'est un peu comme Zelda, tu vois. J'imagine. Qui sont les quatre portes qu'on a vues au début? Ok, donc là j'ai sauvegardé. Mais je peux toujours pas ouvrir les portes. Non, ok. Ok. Ah, attends, il y avait un effet télé. Je veux voir l'effet télé, ce que ça donne. Moi je l'ai enlevé. Ah oui, il y a vraiment... Ouais, moi je préfère l'enlever. Mais je sais qu'il y a des gens qui aiment bien. Ok, c'était pour vous montrer. Ok, rends-la-moi. Comment ça, rends-la-moi? Ah, si je la lâche... Ok. Ok, je sais pas à quoi ça sert. On dirait une clé ou un truc. Est-ce que ça ouvre la porte rouge? Non. À votre avis, ça sert à quoi, chat? Non, l'effet télé, c'est juste pour la télé. Et je regarde quand même autour de moi, on sait jamais. Ok. Oh putain, les yeux m'ont fait peur. Ok. Déposer en haut? Ah, tout en haut, peut-être. On va voir. Non. Non plus. La veilleuse, ouais. Ça ressemble à un levier. Bah ouais, je suis d'accord, ça ressemble à un levier. Donc il faut qu'on trouve un... Il faut qu'on trouve... Attends, je peux aller là? Il faut qu'on trouve un carré. Oh, j'y étais pas allé ici! Ok, j'avais pas vu. Ok, il y a des ennemis. Il faut que je trouve un carré rouge, du coup. Ok, là, il y a des mains. Ah, je peux pas passer, là. Ok. Ok, on a une clé ici. Avec un mec qui... Avec une grenouille qui pêche. Très bien. Ok. Ok, j'ai une clé. À quoi me sert la clé? Attends, il dit quoi, lui? Il veut aider. Est-ce qu'il... Attends, si je mets la clé dans l'eau, il la chope? Merde. Non, il la chope pas. Ok, la clé, à quoi elle pourrait me servir, chat? Ben non, parce qu'avec... Il y a des lianes, en fait, en haut à droite, et du coup, ça passe pas, tu vois. La solution était tout à côté du levier. C'est vrai? Ah, merde. Attends. Merde! J'avance comme un con, moi. Je vais retourner où il y avait le levier. Ok, j'ai repris de la vie. Ah, là-bas? Ouais, mais comment je fais pour lui donner? Je peux pas lui donner. Ah si! Avec le courant. Ok. Ouais, faut lui glisser dans le courant, ouais, je suis d'accord. Ok, je sais pas ce que c'est ça. Je trouve ça trop bien. Je trouve ça vraiment trop... Oh! Attendez. Alors moi, je suis meilleur que ça dans la vraie vie, quand même. Hein. Pa-pa-pa! El Matador. Ok. J'ai débloqué un sticker? Même pas. Putain, je suis deg. Ah, c'est jeune, mais qu'est-ce qu'il y a? Attends, mais... Oh, ils ont refait les jeux et tout? Oh, il y a un autre jeu? Ah non! Oh, attendez.
Utiliser la manette. Putain, j'ai l'impression d'être un gamin. Oh, attendez, il y avait le ticket de caisse dedans, je crois. Ok, les leviers, ça c'est une flûte. Putain, mais ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. Ok, là, il y a des codes à l'envers. Je ne peux plus bouger. Ok, il y a les mecs qui ont fait le jeu. Ok. C'était quoi là? C'était le robot? Ok, il faut que je trouve une cassette. C'était quoi ça? $6! $666 pour toi, Mentor. Bah dis donc, on est en 82, mesdames et messieurs. Ah non, il a loué! Ah, il l'a loué! Excellent. Bon, bah on y retourne. On y retourne. Il y avait marqué un truc sur la grenouille. Ah ouais? Quelle grenouille? Toi et les grenouilles. Là? Oh. Ok. Ok, à mon avis, il y a un code à trouver avec ça. Il y a un code à trouver avec ça. Et là, on a notre inventaire ici, du coup. Le jeu a l'air insane. Hein. Dans la notice à la fin. Alors attends, la notice. La notice, elle est là. Le jeu a l'air insane. Je ne peux pas bouger. Comment puis-je faire bouger le gars aux cheveux afro? Arrête de jouer. Grotte, forêt, la grenouille cache quelque chose. Ah oui, la grenouille cache quelque chose. Ok. Il est à combien? Non mais c'est une démo, Gauthé. C'est une démo, tu peux y jouer là tout de suite. Hein. Ah, attendez, je vais aller voir ce truc-là. Oui, Stitty. Ah, il faut se mettre là. Non? Ok. Oh, je sens que le jeu, il y a des jumpscares dedans. On n'est pas prêt. Hein. Ok. C'est un monstre, ça? Les choses rouillées ont leur place ici. Ok, il faut aller chercher la clé. Faut aller chercher la clé rouillée. Et faut la foutre dans le puits. Je sais pas si on le fait à sa sortie. Il vous plaît, le jeu? Il a l'air d'être assez fou. Hein. Non, c'était pas là, c'était à droite. Ok, il y a la grenouille avec la rivière. Là. Ok, là, faut que je fasse gaffe. Là, il y a les mains. Ça, c'est comme ça. Ok. Le délire est bon. Je suis assez d'accord. Mais la grenouille est chelou. La grenouille a un secret. Je vois pas ce qu'elle cache. Merde. J'ai failli me faire défoncer. Aïe aïe aïe. Il est génial. Bah écoute. Pourquoi pas, si vous avez envie qu'on le fasse, on peut le faire. Hein. On va sauvegarder un coup. Alors attends. Est-ce que je peux reprendre une photo? Non, je peux pas. Ok. Ok, je l'ai mis dans le puits. Je sais pas ce que ça a fait. Oula, ça devient vachement sombre d'un coup, là. Oh, Afroman! C'est trop calme ici. Ok, il lui faut de la musique. Je sais pas ce que c'est ce symbole, là. Le symbole, là... Ouh, il y a une porte. Avec un symbole violet. Non, mais le jeu est immense, là. C'est quoi ce délire? Le jeu est immense. On a Afroman... Because Agaha. Because Agaha. Ok. Et on revient ici. Alors j'ai jeté ça, je sais pas à quoi ça sert, mais écoute. On verra plus tard. On a un toutou. Waf waf. Ok. Là on a la clé jaune. Ok. IRL c'est un symbole de voyou, c'est vrai?
Attends, relique écrit sur le post. Tu l'as vu? Tu veux dire le post-it à côté de moi, là? Attends, oui. Ça, c'est une bombe. Ça, c'est une épée. On a une pelle. On a une torche. Le symbole, là. Je le vois pas écrit, le symbole. Ça, c'est les ennemis. Ah non, tu vois, il n'y a pas le symbole. C'est une métaphore, un symbole. On peut aller dans la ferme? Oh, mais il y a un bar! Je suis fatigué. T'as l'air d'aller bien. Tu veux un peu de jus d'ananas? Vas-y, fais péter. Oula, c'est quoi ça? C'est un abattoir? Ok. Dans ton cahier où tu dessines tes plans? Je sais pas trop. Je sais pas trop, chat. Apporte-moi les morceaux. Ok. Oh, c'est ça? C'est quoi ce pipou, là? Ok, 1 sur 5. Ok, faut trouver des trucs qui brillent. Trouver des trucs qui brillent. La clé devant toi. La clé est tombée sur le tapis dans la chambre du gamin. Quoi? Oh putain! Mais non. Ok, on a une cassette et on a un truc avec un code. Non mais il est insane ce jeu! Attendez, on va écouter la cassette. Disco party! Et là, faut qu'on retourne voir Discoman. Ah ouais. Hey! Oh, j'adore comme il bouge son boule. Hey, petite brille et tout. Vas-y, rejoue là. Elle est trop bien la musique, j'espère qu'elle n'est pas copyrightée. Mais elle est trop bien. Pourquoi ça s'est ouvert tout seul? Ok, celui-là il est fermé. Oh putain, faut que je trouve cette musique, elle est trop bien. Ok. Oh, la clé rouge! Ok, vous me dites si... C'est quoi ça? La tâche éternelle. Ah, c'est un forgeron. Ok, mais il veut pas me donner la clé. Ok, bon, attends, je vais déjà aller chercher la clé rouge, là. Disco Man, il a trop une bonne bouille, je le kiffe trop lui. On dirait qu'il a une petite moustache avec des lunettes de soleil et tout. Ok. La clé rouge, c'était où? C'était là? Pas du tout, c'était là. Non, dans l'autre sens. Et les animations et tout, c'est trop bien, chat. Un petit peu. What? Ok, il y a l'air d'avoir des jumpscares aléatoires. Ah, la musique est vraiment cool, hein. Alors là, du coup, je suis dans quoi? Je suis dans un manoir. Ok. Ok, je vous rappelle qu'il faut qu'on trouve un code aussi. Ok, il y a des miroirs. Je sais pas à quoi servent les miroirs. Je regarde s'il y en a un où il n'y a pas de reflet, non? Wow! Ok, ok. Non, mais je me fais gangbang! Ok, donc lui je peux rien faire. Ok. Excellent.
34 easter eggs, ouais. Mais après, c'est dans le jeu final, je pense. Par contre, j'ai plus de vie. Attends, faut que je me soigne. Ok. On va aller de l'autre côté. Ok, il n'y a pas d'autre côté. Ok. Ça, c'est quoi? What the fuck? C'est derrière moi? C'est ma chambre là qu'on voit, non? Ouais! Thanks for playing, don't forget to wishlist the game. Bah ouais, carrément. C'était carrément trop bien. C'était carrément trop bien, putain! On va le wishlister tout de suite! Et voilà YouTube! J'espère que tu as kiffé YouTube. On a toujours la petite musique, on sait pas quand il sort, mais le jeu a l'air quand même assez avancé, donc j'imagine qu'il est bientôt fini, ça sortira j'espère cet été. En tout cas, c'était trop bien. Tormentor, je vous avais dit qu'on était sur un potentiel banger. Excellent. Vraiment la vibe Atari 2600, moi j'y ai jamais joué, je suis trop jeune. J'étais plutôt Nintendo, la toute première, et la Super NES, tu vois. Mais j'ai l'impression d'avoir été nostalgique alors que j'y ai jamais joué. Incroyable, c'était vraiment cool. Il y a l'air d'avoir des puzzles sympas. Il y a l'air d'avoir des moments dans le jeu avec ce qui se passe autour de nous qui ont l'air d'être assez flippants. En tout cas, ça a l'air très sympa. Tu auras le lien évidemment du jeu dans la description. Je te conseille aussi de faire la démo parce qu'à mon avis, il y a des easter eggs que j'ai pas trouvé que toi tu peux trouver. Bon, en tout cas, c'est un grand oui. Des bisous YouTube.